Poolside. Gamer les gamers, c'est Bobios. Comment allez-vous? Moi aujourd'hui ça va nickel, super. Alors, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Bah aujourd'hui je vais tenter la mission level 28 en solo. Je suis un peu gueudin. Je sais qu'il y en a qui ont beaucoup de mal. J'ai juste vu ce matin un mec qui a réussi. J'ai eu quelques petits trucs. Donc bah je vais tenter, hein. C'est pas dit que je réussisse. Mais bon. On va avoir du cran, faut y arriver. Donc j'y vais. En fait, je l'ai déjà testé deux fois à 3. Hop, bonjour toi. La première fois, je l'ai testé avec Cécile Cassette, le youtubeur. Et Frénétique, bonjour. Oh l'enfoiré. Ah là, c'est. Je l'ai pas vu venir. Coup de bouclier, allez, vas-y. Va faire dodo. Inquiète plus, baboon. Ouais, faut que je sois vraiment concentré. Donc, comme je disais, je l'ai fait avec Tac. Et en fait, ce qui s'est passé avec eux, c'est que... Bah, ils ont bugué tous les deux. Je pouvais absolument pas les réanimer. Et ils se sont bloqués devant en dessous des marches. Parce que face au boss, en fait, il y a des petites planquettes à aller. Moi, j'en connaissais une. C'était sous les marches. Mais bah, mes deux collègues hier ont bugué en dessous. Impossible de les réanimer. Puis tout seul... C'est un peu tendu du slip. Voilà. Vous me direz, je pars quand même tout seul là. Mais bon, je vais quand même tester. Il y a peut-être moins de monde en solo. On va bien voir. Et l'après-midi, j'ai... Non, c'est pas hier après-midi. C'est hier soir. J'ai retenté avec le punk du 7-6. Et c'était... Bobby Toine qui est avec nous. Sacré Bobby. Donc avec Bobby, bah, c'est pareil. Comment ça s'est passé? Bah on s'est fait déborder en fait par les ultras. Ça c'est vraiment casse-couille. Mais là j'ai trouvé une petite nouvelle planque. Donc c'est pour ça en fait j'ai envie d'y retourner, de retester. Boom shit. Boom shit. Ouais logiquement on dit move shit mais... Move bitch, pardon. Moi j'aimerais dire boom shit. Chacun a des skiver, hein. On est bien d'accord. On est dans un pays libre. Ah, j'aimerais bien faire un... Oh. Ah, hier j'en ai fait un beau. J'ai des poules, le mec il était en hauteur. Attends, par contre il me cassait les couilles, il a de planqué. Et au moment où j'ai des poules, le mec s'est mis à sauter. Mais je l'ai défoncé, mais mignon. C'était magnifique. À regarder. Donc j'aimerais essayer de vous en caler un dans la vidéo. Ah, c'est ce qui me fait chier, je crois que je vais le prendre tout de suite. Sans perception à la con là. Ils savent hein, quand ils vont en retrait. C'est pas possible. Ce jeu, l'intelligence de l'IA dans ce jeu, c'est vraiment... What the fuck, quand même. Dès qu'ils sont en danger, ils se vont se planquer, mais d'une force. D'ailleurs, c'est assez casse-couille, hein. Je pense que je suis pas le seul à le penser. Et quand c'est vous qui êtes en danger, mais là, c'est limite, ils courent sur votre gueule, c'est les ouf. On a faim, on va te buter. Tu vas crever. Un petit creux. C'est bon la grue? T'as aimé? Ça va donner une deuxième. Faim, on a très faim. Bijou le colosse. Tu gardes tes suppos pour toi s'il te plaît. C'est pareil, les trucs là qui jettent des missiles, mais il y a des moments c'est des acharnés. Faut qu'ils arrêtent. Hein. Toi tu me saoules toi. Je regarde un peu le radar, parce que toujours surveiller le radar, parce qu'il y a des moments où ils aiment bien vous comprendre aussi. C'est l'intelligence aussi. Je crois que j'ai jamais vu autant d'ennemis et autant de casse-couilles, quoi. Je crois que c'est bien le premier jeu. Hein. Après, Halo, j'ai pas testé Halo, donc peut-être que ça vient de Halo, c'est cette intelligence artificielle. Mais bah écoutez, j'ai jamais vu de... Bon, c'est pareil, les missiles de bazooka, je vais pas le tenter, j'attends vraiment qu'ils se rapprochent, l'enfoiré. D'être sûr de l'avoir, parce que... Quand vous tirez, hein, ils esquivent assez bien vos missiles. C'est bon, peut-être. Et il va se replanquer, et voilà. Comme un kikou.
Mais là, là-bas, il y a des psions, c'est pour ça que je veux pas trop non plus m'aventurer, puis il y a encore foule de monde. Hein. Et je viens là, taper des traces. Désolé pour le gros mot. Il va falloir vraiment que je m'entraîne. Hein. Regardez, en blinde, ils sont mes couilles. Tiens, bouffe, c'est cadeau, et toi aussi. Oh, petite orbe bleue, ça, ça fait plaisir. Parce que les orbes en ce moment, je sais pas ce qu'ils ont, Bungy, mais hein. Et personne semble à gauche. Voilà, c'est ça que je déteste. Attaque de merde, descend, trop de fion. Est-ce qu'ils vont se jeter sur ma gueule? Non, mais par contre, ils se plaignent bien comme ça. Le fait qu'ils se planquent encore, ça va, mais c'est le fait qu'ils rechargent leur bouclier en fait qui est frustrant dans ce jeu. Mais bon, ça rajoute du challenge, hein, vous me direz, et moi j'aime bien le challenge. Voilà, peut-être un morflé ou le pion là. Je sais que le pion s'en est sorti, il s'en sort toujours, c'est des petits cons. Hein, c'est pas des pions qu'ils auraient dû appeler ça, c'est des petits cons. Ça leur irait très bien. Allez, lequel des deux va survivre? Et bah c'est moi. Est-ce qu'il y a encore des popoles? Il y a des popoles ou il y a plus de popoles? Ouais, je vois un peu de rouge, on va monter en hauteur. Hop, on se pose. Il y en a au moins 2-3. Hop. Mais je te demande. Fait. Ah, ils sont encore combien là? Sérieux, attaque suppo? Non, pas d'attaque suppo. Si je me disais, aussi, what the fuck, on a pas encore attaqué. Ah, puis l'autre qui va se mettre juste devant, voilà, c'est pas fait exprès. Oh shit, oh comment ils ont morflé, je suis trop content. Leur hier. Petite dédicace à Bobby Twan. Pardon. Quand je vous disais, quand j'ai fait la partie avec Bobby. Sacré Bobby. Il me dit quoi? Une fois qu'on avait perdu, j'avais une orbe exotique juste à côté du boss. Et il me dit ça une fois qu'on avait quitté, toi. Bah vous voyez plutôt. Moi j'ai dit, mais t'es ouf toi. Moi je vois une orbe exotique, rien à foutre, je me tue, je vais la chercher. Comme si en fait ça pleuvait tous les jours des orbes exotiques. Hein, non, lui non. Ouais, m'en fous. J'ai halluciné quand il m'a sorti ça, mais j'ai dit, t'es un ouf, toi. Je vois une orbe exotique, je vais la chercher direct. C'est ça, mon sniper, il fait pas encore vraiment trop de dégâts. Et c'est un peu décevant d'ailleurs. C'est quand même un snipe légendaire. Et c'est que j'ai pas encore boosté. Alors là, pareil, le créateur du jeu là qui a créé la petite butte là sur la gauche, merci. Je pense qu'on a plein qui vont me comprendre. Hein, c'est pas dégueulasse là le fait qu'ils aient mis la petite butte là juste sur la gauche. Ils vont se caler là-bas, eux. Mais d'une force. Tu les défonces et ils font quoi? Ils vont se recaler là-bas. Il n'y en a pas. Allez, boum. 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 Allez. Allez. Paul. Ouh, magnifique la double. Là, franchement, ça mérite un petit ralenti même, je dis. Magnifique. Je vous l'avais dit, j'essaierai de vous en caler un sur la vidéo, je vous l'ai calé. Et j'en suis fier en plus, une petite doublette. Ah, magnifique. Bon, toujours pas mort. Vous me direz, je suis pas encore arrivé au boss. Il y a son petit frère en plus. Oh, magnifique. Magnifique, il s'est même pas poussé, il a dû l'avoir en plus arriver en plein tronche. Mais non, il se l'est pris. Ah, par contre, là, je viens de me niquer un peu la gibble. Assis comme une merde sur ma chaise, je viens de me niquer la jambe. Allez, crève, s'il te plaît. Non, par contre, là, je me casse. Et d'une force. Ah, c'est moi ce qui me semble. J'ai cru que ça va spawner. Hein. Ça spawn. Oh, calme-toi. J'aime quel est là-bas le temps que ce vaisseau arrête de me shooter. Voilà, on laisse bien tout le monde arriver. Voilà, tout le monde est bien arrivé.
Ils ont tous fraudé, hein, c'est bien ça. Allez, c'est reparti avec des colosses pour des attaques aussi, allez, vas-y, tue-moi le. Putain, foin. J'ai eu. On a encore un autre sur la gauche, je crois. Putain, il s'est calé encore dans cette falaise à la con, là. Ils sont deux, même. Allez, sortez-moi de là. Bon, allez, on va s'occuper un peu des autres. Ouh, elle est belle. Toi aussi, tu l'as pris bien. Celle aussi. C'est bien cette mission, ça vous entraîne quand vous êtes en PVP, player contre player. Player versus player. In English, please. Ça vous apprend, cette mission vous apprend à niquer du monde. Niquer du monde. À tuer vos adversaires avec ces véhicules. La dernière fois que j'ai pull. Non, il a pas voulu tirer avant. Bon, tant pis, hein, petit moment de recharge pour ce véhicule. La dernière fois que je l'ai pris qu'une seule fois, mais je trouve ça un peu abusé, quoi. Il y en a, ils attendent que ça, en fait. Oh, calmate. Il y a une map, en fait, elle est vraiment galère sur sur le PVP. C'est la map où il y a tous les vaisseaux, là. Puis les gros canons. Ça, c'est vraiment abusé, quoi. Je pense que là aussi, il y en a, ils vont comprendre. Non, ils attendent que ça, que les pics ou ces gros véhicules là arrivent et puis allez vas-y. Donc moi je l'ai pris une fois, franchement j'ai dû enchaîner une bonne dizaine de kills, je vais pas mentir. Une bonne dizaine de kills avec ce véhicule. Après bon moi je me suis fait détruire par un mec avec son spécial. Les bons moments d'une fin, mais c'était pas plus mal parce que j'ai vu en fait que c'est vraiment abusé quoi. Moi-même quand j'arrête pas de me faire tuer par que ça, ça me gave. Et là en fait bah, j'ai voulu me faire une petite vengeance personnelle. Par contre vous allez vous calmer. Petite vengeance personnelle même avec le pic hein, le pic je l'ai assez bien en main. Mauvaise planquette mon gars. Par contre là tu vas me gaver, voilà t'as replanqué là. Voilà, t'as fait ça, je récupère la petite bouboule bleue. Petit engramme de mes couilles, vivement la nouvelle prochaine mise à jour tiens. Pour qu'on puisse mais j'aimerais déjà qu'ils... Ils disent qu'ils vont faire mériter aux joueurs qui jouent le plus souvent. Ils sont ça. Plus souvent en fait. Oh, ils sont deux en plus. Le plus souvent au jeu. Enfin, je surveille ma life quand même. En leur donnant un peu plus de récompense. Parce que moi je trouve que je joue quand même beaucoup. Et ça ma petite femme me le fait remarquer. Et j'ai pas gagné grand chose juste ces derniers temps là, mais après autant d'heures de jeu sur ce jeu, un peu abusé quoi. Et il y en a, ils jouent beaucoup moins, c'est limite 2 par 3 fois par semaine, puis quand ils jouent, ils récupèrent des trucs violés devant votre gueule quoi. Donc oui, la logique, comme c'est un petit truc, je pense qu'il dégoûte pas mal de monde, c'est en PVP, les récompenses des players. Genre le premier va rien gagner. Et le dernier va gagner un truc que le premier aurait voulu avoir. Vous me direz où est la logique de Bungie. Bah je crois qu'ils en ont pas. Donc là il y a juste là en fait. Je pense qu'il y a dû y avoir pas mal de plaintes pour les armes violettes. Beaucoup de personnes ont dû avoir des armes violettes et en fait n'ont pas eu ce qu'ils méritaient. Ont eu des trucs inférieurs à la couleur de l'objet. Donc je trouve ça vraiment dégueulasse. Et... bien de la part de Bungie quand même de changer ça. Et ce qui serait bien aussi c'est qu'il change leur façon qu'ils font à la fin du PVP. Car à la fin du PVP les récompenses sont mal faites quoi. C'est abusé, c'est une force. Je pense que je suis pas le seul à y penser. Et je dirais même qu'il y a une bonne moitié de personnes qui jouent à Bungie qui disent que les récompenses sont mal organisées. Le premier devrait gagner le meilleur cadeau, c'est la base quoi. Après peut-être qu'ils veulent aider le dernier joueur, mais bon après il y a les modes assaut pour que le joueur récupère des trucs. Si il récupère des trucs en assaut, par contre j'aime pas quand il fait ça lui. Voilà. Ça ce missile quand je le vois ça me fait flips. Là-bas, j'aimerais bien peut-être shot un petit peu. Hop, bouge pas, je te mets la deuxième. Prends ton cul. Enfin, il va recharger son bouclier, j'aurais pas dû gaspiller des balles. Toi là, t'es mort. Je le savais pas encore.
Il y a pas mal de petits trucs, il faut que je fasse un top 10 des choses qui me dégoûtent un peu sur ce jeu. Quand je vois son canon allumé, ça me fait. J'ai foiré ma greu. Comme dit Spitfire, j'ai chié ma greu. Alors quand il me dit ça, franchement, ça me fait halluciner. Je l'imagine en train de chier des grenades. Le matin aux chiottes, il chie un arsenal en fait. Celle-là, il l'a dégusté, je crois. Allez, voilà, je l'ai piqué, vous avez vu, c'est décalé, quoi. Ça pique, hein, PD. Encore désolé pour cette insulte. Je m'excuse à chaque fois que je dis des gros mots, hein, parce que... J'en dis de temps en temps, j'en dis pas non plus toutes les minutes, mais... Ça m'arrive de... d'être un petit peu vulgaire, quand même, hein. Ça va faire beau. Et voilà. Tu peux décéder s'il te plaît. Un trapèze. Oh. Cette arme là, franchement, en PVP comme en mode histoire, elle est cheatée. Oh, il m'allume avec ses roquettes, c'est un truc de ouf. Est-ce que je peux en faire autant? Il bouge pas. Allez, une dans le verre. C'est magnifique. Et il me saoule, mais d'une force. Hop, tiens ma greu, PD. Hey, il l'esquive. Ah, ça me gave. Il me gave. Un petit avant-goût, ça, c'est juste avant le boss. Il l'a pris? Il est pas mal. Ah, ça a quand même bien niqué. Arrête de bouger. Non, d'un pépé en moi. J'ai foiré mon tir, c'est super. Ah, je le crois pas, je vais pas pouvoir y rentrer dans ce truc de merde là. Ah, ça y est. Pouf. Pouf, 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 pouf. Et je l'ai eu, mes amis, je l'ai eu sans mourir une seule fois. C'est magnifique, j'en ai chié. C'était lourd. Mais j'ai réussi mon défi, je l'ai fait en solo. Alors on peut m'appeler patron. Voilà, c'est cool, c'est magnifique tout ça. Donc la petite planquette, elle se trouve là-bas. Hein. Mettez-vous ici et vous serez pépère. L'entrée là-bas et vous irez là derrière ça. Vous pouvez le kill par là-bas, par là-bas. Vous avez tous les angles en fait. Ce qui est long, c'est les mines. C'est assez galère à venir. Donc voilà, j'ai coupé parce que quelques petits montages, j'ai fait un petit montage avec la vidéo en fait, parce que ce fut très long. Donc je dis, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Je vous dis ciao ciao les gens, peace, bye.